Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne French Resus Line. Alors voilà, aujourd'hui on va commencer la série vidéo mutation. Comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, on va parler donc de mutation en général et de ce qu'on peut retrouver sur une mutation. Donc je vais prendre une mutation principale. Exemple, aujourd'hui ça va être le champagne. Donc on va parler du champagne et de tout ce qui peut suivre avec. Donc tout ce qui est sympa comme mutation, des doubles combos, des triples, des quadruples, tout ce que je vais retrouver sur internet, tout ce qui va me plaire, je vais vous le montrer. Donc voilà les amis, je vous laisse. Juste le générique, on se retrouve juste après. Donc les amis, donc comme je vous disais, donc juste avant le générique, on va parler de mutation. Je vais vous parler d'abord de la mutation donc, que j'apprécie le plus donc, dans le Régis, c'est le champagne. Donc comme vous voyez donc à l'écran, le champagne peut exister sous deux formes différentes. Donc soit en tacheté, donc comme on voit à l'écran directement, ou alors avec un beau strip tout le long. Donc là, on voit à peu près donc, tous les champagnes qui peuvent sortir, ou alors avec un strip quasiment tout le long. Donc moi, j'ai un champagne à la maison, enfin j'ai deux champagnes à la maison, j'en ai un champagne jachi et un champagne basique. Donc sur le champagne, à savoir qu'on va toujours retrouver cette caractéristique. Donc la grosse tache noire en plein milieu de la tête, avec ses deux gros yeux noirs. Et toujours une nuance entre cette tache et le reste de la tête. Donc là, sur du champagne normal, on se retrouve vraiment avec une tête. Donc comme on peut le voir là, moi c'est à peu près ce style-là que j'ai. Donc un strip quasiment tout le long, avec la tache en plein milieu du crâne et la tête orangée. Donc là, c'est vraiment le champagne en fait pur. Donc là, on va passer sur du champagne pastel. Donc le pastel va vraiment venir modifier donc le pattern. Va vraiment venir modifier donc l'ensemble. Là, on est sur un spécimen adulte. Ça va vraiment être beaucoup plus jaune, beaucoup plus terni. Donc en tant qu'adulte, ça va être beaucoup plus terni et quelques remontées, enfin quelques jaunes un peu plus intenses sur le spécimen adulte. Donc là, qu'on peut voir, c'est du spécimen juvénile. Attendez, hop, donc là, on avait bien juste avant. Donc ça, c'est que du juvénile. Là, comme on le voit, en fait, le champagne pastel, c'est donc vraiment cassé. Donc au niveau couleur, c'est vraiment en fait nuancé entre la dorsale et toutes les petites taches qu'il peut y avoir. Et le flanc du piton. Alors que là, quand on commence à vraiment venir sur du spécimen adulte, on vient vraiment justement casser cette nuance entre les deux et vraiment avoir quelque chose qui est assez terne. Après, on peut le passer aussi donc en super pastel, champagne super pastel. Et là, on va vraiment venir tout délaver. Donc le super pastel va vraiment tout effacer. On va quasiment rien voir donc sur le serpent à part quelques nuances sur la dorsale, mais vraiment rien de plus. Là, on a du champagne pastel, donc toujours pareil, sauf que là, on vient rajouter du spécial. Donc, on a une tête qui est vraiment bien noire et une coloration qui est vraiment donc nuancée entre la tache sur la tête et le reste. Et après, donc, on a toujours, au lieu d'avoir un strip jaune, donc avoir quelques taches jaunes, le spécial va modifier cette couleur-là et le ramener en orangé. Et donc, on se retrouve avec quelques taches donc orangées sur quasiment toute la dorsale. Donc, comme on peut le voir donc sur ce spécimen-là, donc qui est même sur toutes les photos, mais c'est vraiment en fait quelque chose qui va être nuancé par rapport au spécial et qui va vraiment ramener du orangé donc sur quasiment toute la dorsale. Donc là, comme on peut le voir. Exactement le même, mais en super spécial. Donc du champagne pastel super spécial. Donc ça a quasiment tout modifié. Donc on a quasiment tout modifié, sauf que la dorsale, elle est continue. Elle est vraiment orangère, donc on garde quasiment la même couleur. On a un flanc vraiment tout blanc. Et donc on garde toujours la caractéristique donc de la tête. Donc on a vraiment la tache sur la tête, plus le strip tout le long. Avec un flanc vraiment blanc. Donc ça, c'est le champagne pastel donc qui va travailler. Le champagne va faire vraiment la dorsale. Va vraiment faire le type en fait. Donc de dorsale tout le long avec la tache sur la tête. Le pastel, je pense, le pastel et le spécial vont venir déjà en premier temps nuancer donc entre le flanc et la dorsale. Et la dorsale orangère, c'est vraiment le super spécial qui va ramener ça. Donc là, on va passer sur du champagne Henchy, donc deux gemmes, le champagne et le Henchy. Le champagne, on arrive très bien à le reconnaître, donc toujours avec la tache sur la tête, la tache sur la tête, la nuance de couleur entre la tache et la tête. Et donc le pattern du Henchy. Donc là, on se retrouve vraiment, on voit très bien d'ailleurs sur ce spécimen, donc la tête vraiment champagne, typique champagne, plus le pattern du Henchy, donc qui là est très très visible. Après, bah, ça joue énormément sur la couleur parce que ça vient éclaircir tout le flanc, mais c'est vraiment un beau combo. Donc là, exactement le même, mais avec du bambou en plus.
Donc comme on peut le voir, c'est deux complètement différents. On garde quand même donc toujours le champagne qui domine donc sur le pattern, toujours avec cette tache, le strip quasiment tout le long. Et après, donc là, comparé à celui d'avant, le bambou va complètement venir modifier donc le pattern. Donc on n'est plus sur le pattern du henchi comme on a pu voir juste avant, mais là, justement, on a même changé donc la couleur et le bambou va venir éclaircir donc complètement tout le flanc avec cette petite tache marron juste avant la dorsale et la dorsale qui est quand même bien colorée. Donc là, on est sur du spécimen, je pense, juvénile. Là, on est sur du champagne Henchy pastel fantôme. Donc le champagne pastel, on l'a vu. Le champagne Henchy, on l'a vu. Le champagne Henchy pastel. Donc là, en fait, on se retrouve vraiment sur du champagne. Donc on le voit très bien parce que la tête, en fait, elle garde toujours le même caractéristique. Après, donc le Henchy et le pastel, le Henchy, ben, on le voit très bien puisque ça va être toute cette coloration en fait et ce pattern donc sur la dorsale. Après du coup le henchi avec le pastel vont venir contraster tout ça. Donc on a un flanc qui est assez blanc. Je pense que le fantôme apporte aussi cette petite contraste là. Et après donc du coup on se retrouve avec énormément de jaune sur le serpent avec une coloration qui est vraiment bien bien contrastée comme on peut le voir. Donc je pense que le henchi et le pastel font vraiment un très très beau travail sur le champagne. Là, on a du champagne fire. Donc, le fire, ça reste assez simple. Donc, comme on peut le voir, on a vraiment encore le pattern du champagne, mais vraiment très éclairci et commence à être délavé. Sur ce spécimen-là, il est très, très, très délavé. Donc, on a toujours la caractéristique du champagne, mais très, très délavé avec le fire. Donc, là, du champagne Firefly, donc, qui vient bah, vraiment délaver complètement donc, le spécimen. On se retrouve vraiment avec un spécimen qui est délavé complètement. Donc là, je pense qu'il est paradoxe. Mais on vient vraiment donc délaver et toujours avec ses billes noires, donc les yeux vraiment fort fort noirs sur le champagne. Et bah là, on voit donc le pattern du champagne avec cette tête, donc toujours avec la tache sur la tête, le strip tout le long avec quelques petits points sur la dorsale. C'est vraiment caractéristique donc du premier champagne qu'on a vu. Et là, le Firefly, du coup, va faire un travail de délavement complet sur le Régus. Là, du coup, on garde le champagne et le Fire. Mais on mélange avec de l'orange rime. Donc là, l'orange rime va venir complètement éclaircir. Donc, enfin éclaircir. On garde la même nuance, mais beaucoup plus colorée grâce à l'orange rime. Et ça, c'est vraiment. L'orange rime, de toute façon, ça fait vraiment des combos de malade. On va même le passer donc en super forme. Du champagne fire super orange rime. Donc là, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est quand même bien contrasté. On voit quand même quelques motifs qui sont réapparus comparés au fire orange dream champagne. Mais là, on regarde vraiment donc la super forme. Qui ramène vraiment quelque chose de plus que sur une forme classique. Là, donc du Champagne Fire Mojave Pastel. Le Champagne Fire Pastel, on l'a vu. Et là, on se retrouve vraiment avec du Mojave donc qui vient complètement nuancer et casser cette couleur pour vraiment garder un contraste quand même assez élevé, mais délavé. Donc, on a quand même une belle nuance entre ces deux couleurs-là et c'est vraiment fou. D'ailleurs, on voit même que ces deux-là sont complètement différents comparé à celui juste avant. Après, donc, avoir vraiment les spécimens que vous sortirez, mais le principe, il restera là, en fait. On retrouvera vraiment le champagne. Donc, le Mojave va vraiment venir faire une couleur assez, assez dorée, en fait, sur une belle dorsale. Donc là, on est sur du champagne cinnamon. Donc, bah, pareil, c'est deux jeunes assez simples qui vont garder donc, la souche de champagne, mais va complètement, en fait, effacer donc, le flanc. Il va complètement effacer donc, tous les motifs qu'il y aura sur le flanc et faire une couleur assez, assez cassée. Donc là, on va le voir avec quelques mélanges, donc là avec du hippo, donc c'est vraiment le hippo va complètement venir effacer donc tout type de pattern. On garde quand même la caractéristique donc du champagne avec la tache en plein milieu, donc, comme je l'ai dit depuis le début. Après, par contre, le hippo va venir complètement casser la couleur, donc on va être là avec une couleur assez rosée. Après, je pense qu'on est sur un juvénile, donc à voir sur un spécimen adulte, mais là on est vraiment sur un très beau combo, un très beau combo. Donc là, pour le dernier, donc je vous présente le Black Pastel Champagne Cinnamon Pastel. Donc là, on est à peu près sur le même type que le Grémetteur, donc que je vous ai présenté sur un projet, sauf que là, ça a été travaillé avec du cinnamon et du Black Pastel. Le résultat est quasiment le même, sauf que là, on se retrouve du coup avec du pastel en plus, qui va venir vraiment éclaircir donc toutes ces taches grises, et en fait faire un combo en fait complètement différent, alors que le Grémetteur, donc soit en Super Cinnamon ou en Black Pastel Cinnamon, vont faire des taches beaucoup plus foncé que ça. Comme vous pouvez le voir donc sur la vidéo projet Grémetteur.
Donc voilà les amis, donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu. C'est un format différent d'habitude. Je vais essayer, je vais pas essayer, je vais vous faire donc une vidéo mutation par semaine. Donc une vidéo identique de celle-là, mais avec une mutation différente. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire donc dans la, de la vidéo, donc pour savoir à peu près quelle mutation vous aimeriez bien voir. Je vais faire les mutations principales, les mutations qu'on voit le plus souvent, le plus fréquemment sur Internet. Je vais vous les faire donc d'affilée. Je vais vous en faire une par semaine. Je vais caler un jour, je pense. Là aujourd'hui, ça a vraiment été une vidéo pour vous démarrer en fait la série. Donc voilà, donc je vais vous faire plusieurs épisodes, donc épisode 1, 2, 3 et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à un enchaînement de mutations qui a été assez sympathique. Donc voilà, donc je pense qu'on va essayer de caler ça une journée dans la semaine. Je pense que ça va être le vendredi. Je pense qu'on va caler donc une vidéo génétique le vendredi. Et comme ça, moi, après, donc on peut enchaîner donc sur les vidéos principales, donc les vidéos entretien, les vidéos arrivant, les vidéos, toutes les vidéos que je fais habituellement. Donc je vais essayer de les caler donc début de semaine, donc sûrement un mardi ou un mercredi. Donc voilà, donc il y aura deux vidéos par semaine à partir de maintenant. Donc je résume, le vendredi la vidéo mutation comme celle que vous venez de voir, et le mardi donc une vidéo classique que j'aurai tournée le week-end, une vidéo donc abonné ou alors entretien et j'en passe. Donc voilà les amis, donc j'espère vraiment que le type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire donc pour laisser votre avis, à laisser un gros pouce bleu si ça vous a plu, à partager au maximum la vidéo, donc c'est vraiment ça qui nous fait marcher. Donc voilà les amis, je vous remercie et à la prochaine.